chez les autres, traîne. Hein? Si vous permettez, nous allons commencer, parce que nous avons déjà accusé 20 minutes de retard et nous arrivons à la dernière séance. On va écouter Monsieur Gilles Mibeau et Monsieur Sadiq Jeudi. C'est une transition qui ouvrirait sur un tournant à deux voix. On va connaître les deux voix. Je vais leur donner la parole pour 30 minutes. Et avant de vous céder la parole, je voudrais remercier Bait al-Hikma et c'est Sadiq Jeudi pour la réussite de ce symposium. Je crois que la qualité des interventions et aussi le débat sont d'un niveau extrêmement élevé. Donc, je vous donne la parole. Alors, c'est entre vous deux, Monsieur Bibeau ou Monsieur Jeudi, qui va commencer? Allez, Monsieur Bibeau. Alors, mes chers amis, nous sommes à la fin de la troisième journée à réfléchir sur ce comment va le monde, penser la transition. Et il est bien évident qu'il est impossible de faire écho à tout ce qui s'est dit, à toutes les réflexions à partir de regards de spécialistes, regards finalement multidisciplinaire. Mais ce que je vais vous raconter, et Cédric va s'insérer là, dans ce que je dis, c'est comment tout cela a commencé. Nous avons pensé que la superposition de très nombreuses crises donnait à notre temps un air assez particulier, au sens où la crise, en tant que crise, et la nouvelle normalité du monde. La rapidité des changements, la multiplicité des transformations dans tous les domaines font en sorte que l'humanité, différentes sociétés, se précipitent dans l'urgence pour essayer de solutionner chacune des crises, sans penser la superposition de ces crises les unes par rapport aux autres. Prenons d'une façon très large la crise du vivant, avec l'avancée de la génomique, de la protéomique, avec l'avancée de l'intelligence artificielle et la possibilité de créer le post-humain. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. Autrement dit, l'homo faber, l'homo fabricateur d'outils, se confronte à l'homo sapiens, l'être de sagesse que nous sommes censés être. Il y a tellement d'autres crises, je vais les formuler dans d'autres termes, que ceux que nous utilisons habituellement. La crise du vivre ensemble. Crise du vivre ensemble, une humanité extrêmement diversifiée, qui aujourd'hui est en pleine migration dans un mouvement du sud vers le nord, je dirais dans une réponse à l'époque coloniale, où le nord s'est précipité vers le sud, et comment construire des sociétés dans lesquelles il y a un effort pour un vivre en commun, et qu'on considère qu'il s'agit peut-être d'un enrichissement à d'avoir la présence des autres, sans que soit niée la question de la nation, bien sûr, de son histoire et tout cela. On peut ajouter comme ça les crises les unes aux autres. Et ce qui se passe dans la réflexion, j'ai ce sentiment en tout cas, que nous réfléchissons sur les crises en les déconnectant les unes des autres, au lieu de les envisager dans ce dynamisme, ces relations qui les relient les unes aux autres. Et à travers la réponse dans l'urgence et à travers la déconnexion,
de la réflexion sur la singularité de chaque crise, vient, on est empêché, en quelque sorte, de rejoindre les failles du projet civilisationnel qui a produit l'ensemble de ces crises. On efface les questions de fond qui se posent à l'humanité et qui se posent aux différentes sociétés, celles du Sud comme celles du Nord. Nous sommes les contemporains. Là, je vais emprunter ça à un auteur italien pour qui j'ai beaucoup d'estime, richesse de pensée, qui est Giorgio Agamben, et qui s'est demandé qu'est-ce que c'est être contemporain de son temps. On est contemporain de qui? On est contemporain de quoi exactement? Et il répond, il dit que, et ça c'est assez extraordinaire pour réfléchir, pour penser notre position dans la réflexion, et il dit qu'il faut apprendre à ne pas coïncider en quelque sorte exactement avec son temps, être un peu en décalage, faire un pas de côté. Et c'est la seule position pour voir à la fois les lumières du temps dans lequel on est et l'obscurité de ce temps, le positif, le négatif. Et c'est beaucoup la position que nous avons essayé d'adopter en concevant l'argument qui vous a été envoyé et à partir duquel vous avez approfondi un certain nombre de questions. Un deuxième point, question de la transition, question de la crise, nous conduit à l'identification des grands défis qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. On en a examiné un certain nombre, celui des inégalités, par exemple, produit par l'adoption d'un certain modèle de développement fondé sur la victoire en 91 après la glasnost, après la perestroïka et l'affaissement d'une pensée socialiste et le triomphe du bloc capitaliste qui, depuis ce temps, comme un rouleau compresseur, veut véritablement s'imposer à l'ensemble du monde. Ce n'est qu'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, les sources de l'inégalité. Que sont-elles ces sources de l'inégalité? Les discriminations incroyables, les injustices, le non-droit dans la géopolitique internationale, l'impact extraordinaire des plateformes numériques, les questions de ce qu'on appelle le wokisme et l'appropriation culturelle, toutes les passerelles entre les cultures et le fait de vivre sur la frontière de plusieurs mondes. Alors, ce que nous avons essayé de faire, et dans les textes, puisque M. Dick parlera de la publication après, nous vous invitons à porter le regard sur précisément le processus de transformation qui vient définir, saisir le mouvement de l'histoire, sans se limiter à un état des lieux, tout simplement, de manière descriptive, mais sans faire un exercice de futurologie. Nous nous sommes abstenus d'essayer de se faire prophète et de prévoir le futur, mais de s'interroger de manière critique, interroger notre temps. Et ça, c'est absolument, absolument essentiel. Une troisième chose, et il y en aurait tellement à dire, mais cette troisième chose, qu'il s'agit de voir notre temps de crise sous l'angle d'une situation critique, au sens là du crisis, de jugement, à établir une situation qui permet de faire des constats sur le monde
mais surtout de repenser l'arrière-fond des défis et des enjeux évoqués très rapidement. Et ils sont tellement nombreux, pour essayer de revenir à la question de civilisation et à la question d'humanisme. Qu'est-ce que c'est qu'un humanisme aujourd'hui? Nous savons que ce n'est plus l'humanisme classique d'autrefois, mais dont nous avons hérité et que nous devons encore mettre au travail. C'est aussi l'humanisme scientifique qui est venu déplacer cet humanisme classique. Et au moment où le déshumain, on a encore parlé ce matin, où le post-humain devient possible, et pas seulement par la transformation biologique de l'humain, mais par la transformation des sociétés, par le contrôle, pensons à la force des médias. Nous voulions par exemple avoir une personne ici qui vient nous parler de la massification, parce que nous arrivons à cette espèce de folie d'un monde qui parle toujours de l'autonomie et qui nous présente les personnes comme l'achèvement, si l'on peut dire, de l'autonomie, alors que c'est l'entrée dans la massification. C'est être un membre de la multitude. Ben, toutes ces choses-là sont véritablement à penser. Un humanisme nouveau qui ne sera possible qu'à travers une réflexion, me semble-t-il, sur l'universel. Est-ce qu'il y a d'humain dans l'humain? Et quel est cet humain partagé? J'aime beaucoup l'analogie des langues, parce que j'ai travaillé à écrire les grammaires de deux langues africaines. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est toutes les langues sont traduisibles l'une dans l'autre. Bien sûr, pas d'une manière parfaitement adéquate, mais elles se parlent les unes aux autres. Du champ sémantique de la langue, le sens des mots, et nous pourrions dire la même chose de la phonétique de la langue. Si chaque langue développe un registre phonétique particulier et que notre langue développe des registres phonétiques de sons un petit peu différents, il n'en reste pas moins que nous sommes capables d'entendre ces sons. Difficile à reproduire. Et face à la sémantique, nous savons le sens des mots, si je dis Dieu, ou si je dis Vishnu, ou Brahma, ou que je dis Allah, ou que je dis Yahvé, etc., tout ça connote un certain nombre de choses, mais il y a une dimension comme un noyau central qui met les gens en contact. C'est vrai pour les émotions, si je dis la colère dans une langue, comment l'autre le traduit et tout. Cette intertraduction, nous devons être capables de la penser au niveau des rapports entre les peuples. Ça a été évoqué dans la dernière conférence, bellement dit à travers cette notion formidable de la reconnaissance. Reconnaître dans l'autre une part de moi. Et ce n'est que dans la mesure où je reconnais l'autre en moi que je suis capable de me rendre sensible à la différence dont l'autre est porteur et à la parenté fondamentale qu'il a avec moi. Alors voilà, c'est un monde extraordinaire dans lequel nous allons entrer, que nous sommes en train d'entrer, mais plein de dangers, plein de traquenards, plein de pièges, et il faudra pouvoir les éviter. Il faudra pouvoir les éviter. Alors voilà, c'est à ça, pendant plusieurs mois, que nous avons réfléchi, et Cédric et moi, nous avons utilisé même des auteurs, des concepts difficiles. Nous pensions que, par exemple, Ibn Khaldoum, qui avait vécu une période de passage extrêmement importante lui-même, et qui avait développé toute une œuvre, lui faire une place importante. Et nous sommes allés présenter cela au président de l'Académie, qui est là. Elle a dit, oh, écoutez, il me semble que notre période est un petit peu différente. Il y a aussi d'autres penseurs. On peut penser la mimésis, le rapport entre dominant et dominé. Et puis, on s'est assagi, on a dit oui, c'est vrai. Donc, on ne lui donnera pas toute la place. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des penseurs
qui pensent des domaines particuliers. Il n'y a pas de penseur contemporain, à ma connaissance, qui est capable d'embrasser dans une espèce de totalité l'ensemble des grands défis face auxquels nous sommes. Et c'est pour ça que c'est interdisciplinaire, que Pierre était là pour parler de biologie, qu'on a eu des gens un peu de tous les côtés, sciences politiques et des psychiatres qui nous ont parlé de la clinique. Voilà, je termine avec ça en disant que les trois choses que nous avions en tête, c'était de saisir le mouvement de transformation sans être capable au départ de dire, voilà, ici s'achève le monde et là commence un autre monde. Ah, j'en profite pour vous lire une petite phrase de Gramsci dans ses cahiers de prison. Ai quaderni di prigione. Je vous le lis en français. Le vieux monde se meurt. De nouveaux mondes tardent à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et je pense qu'il a tout dit, là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et le décor qui était ici est tellement extraordinaire. L'accueil, les repas, les techniciens, tout le monde. Vraiment, grand, grand merci. Mais ce n'est pas fini. Il y aura, nous l'espérons, et peut-être dans la collection, une des collections de l'Académie, un ouvrage dans lequel... pour y collaborer, mais nous vous indiquerons, nous vous donnerons exactement ce qui doit être suivi sur les citations, les références et toutes ces choses-là. Voilà, c'est dit. Merci. À vrai dire, on avait mis dans le programme que Gilles Bibeau s'était déjà dit, vont parler d'une transition qui ouvrirait sur un tournant à deux voies. Je n'ai pas eu le temps de me préparer pour parler, c'est vrai. Pourquoi je n'ai pas eu le temps? Parce que, en plus, j'ai une pensée qui, pour reprendre le concept de Deleuze, est un peu rhizomique. C'est-à-dire que j'ai besoin de construire une trame à travers laquelle beaucoup de choses s'enchaînent avant de faire un discours, sur une problématique comme la nôtre. Donc, je vais essayer de m'en sortir comme ça, les différentes références qui sont en face de moi. Et je vais reprendre, pour faire l'articulation avec le poète, avec Sikamel ce matin, je vais commencer par un vers de Paul Valéry. L'histoire, je le crains, ne nous permet guère de prévoir. Mais associée à l'indépendance d'esprit, elle peut nous aider à mieux voir. Paul Valéry. Je pourrais aussi citer notre grand poète qui a eu un effet, dont les poèmes ont eu un effet sur l'indépendance. C'est Chebbi, qui disait... Si un jour un peuple veut la vie, force est pour le destin de répandre et pour les chaînes de se rendre. Le mythe de mythos grec est pensé comme fable par opposition au logos, se reconnaissant quant à lui du discours de l'ordre d'un savoir vérifiable et accessible à travers l'écrit, tant la rationalité à la rationalité qu'au sens commun et ouvert à un renouvellement continu de la question du sens. Mais au-delà de cette opposition, c'est dans la relation dynamique entre le mythos et le logos, c'est entre la relation dynamique entre les deux que, d'après Heidegger, la pensée féconde requiert, en plus de l'écriture et de la lecture, le souffle de la conversation. Nous dirions que la pensée féconde requiert le souffle de la parole structurante, tout à la fois pour le discours et pour l'écrit, au sein du mythos et du logos, dans l'approche de tout récit historique, surtout chaque fois qu'en période de crise telle que nous la vivons, ce récit en arrive à être mis sous tension jusqu'à l'ébranlement de ce qui est supposé le fonder. À partir du temps historique posé depuis Hegel comme un temps linéaire, à la différence de Khaldoun,
à la différence de Nietzsche, pour qui le temps est circulaire, et à la différence de Khaldoun, pour qui le temps est périodique. Il est taoulé. Donc, à partir du temps historique posé depuis Hegel comme temps linéaire, nous aborderons l'enchevêtrement du mythologique avec le discours scientifique portant sur l'histoire. Je commencerai par le mythe de la linéarité du temps historique et son corollaire, celui de la fin de l'histoire, pensé par Hegel au départ, avant Fukuyama, suite à la Révolution française et le triomphe de Napoléon, l'esprit du monde, dit-il, à la bataille d'Iéna, comme aboutissement idéalisé du progrès et auquel devrait aspirer le reste de l'humanité d'après Hegel. Après avoir clamé à la vue de Napoléon à Iéna en 1806, « J'ai vu l'esprit du monde sur un cheval », Hegel écrit dans ses leçons de philosophie, sur la philosophie de l'histoire en 1831, « L'histoire du monde voyage d'est en ouest ». Parce que l'Europe est absolument la fin de l'histoire, vous voyez que Fukuyama a repris Hegel, la fin de l'histoire, l'Asie, le commencement. Mais comme le soulignait déjà Roger Mell dans son ouvrage « Le vieillissement et la mort » en 1962, ce mythe d'une linéarité du temps couronnée par une heureuse fin de l'histoire pour la civilisation représentante de l'apogée du progrès offre en même temps une autre lecture de cette vision, somme toute eschatologique, et qui demeure de l'ordre du refoulable jusqu'à son surgissement avec la crise. C'est que d'après Roger Mell, le problème de la mort caractérise la philosophie occidentale depuis Hegel. C'est précisément qu'il s'agit d'une époque de bouleversement et de révolution où les civilisations se fanent, où l'imminence de civilisations nouvelles et inconnues, redoutables par leur structure massive, nous fait appréhender l'heure du néant. Nous sentons nos civilisations crouler et l'idée d'évolution ne nous séduit plus, contrairement au discours officiel. Y aura-t-il encore un lendemain, un avenir, ou bien cette accélération du temps ne nous mène-t-elle pas vers l'abolition de toute l'histoire, Autrement dit, si le premier volet du mythe de la fin de l'histoire apparaît comme un aboutissement idéalisé de l'apogée du progrès auquel tout le reste de l'humanité devrait aspirer à travers la mimésis, il n'en demeure pas moins, en période de crise, le mythe ainsi ébranlé laisse place à une angoisse de l'imminence d'une catastrophe millénariste et d'effondrement, d'implosion du fait d'un risque d'envahissement soudain par des structures humaines étrangères et massives, ceci conformément au mythe de l'Ijouj et le Mijouj du Gog et du Magog. Puis était venue la crise économique de 1929, suivie une décennie après par une montée du fascisme sur le moule de l'idéologie coloniale, le fascisme déshumanisant, comme l'était l'idéologie coloniale, déshumanisante pour l'homme colonisé et à coloniser. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, la configuration internationale allait faire déplacer la cité dominante de l'Europe vers les États-Unis. Le commencement de cette déviation se fait à travers la Charte de l'Atlantique, le 14 et 18 août 1841, quand Roosevelt et Churchill imaginent et conçoivent avec leur groupe, conçoivent ce qu'on appelait la Charte de l'Atlantique. Et c'est Michel Dukakis, quelques dizaines d'années plus tard, malheureux candidat aux élections présidentielles américaines, qui avant Fukuyama, le 18 août 1988, avant Fukuyama, déclarait « Je vois en l'Amérique le leader des nations. On a appelé ce siècle le siècle américain parce que nous y avons été la force dominante pour le bien du monde. » Aussi revenait-il un an après, en 1989, à Francis Fukuyama, une fois que Reagan ait pris le pouvoir, de reprendre une nouvelle lecture de Hegel avec la substitution du modèle américain au modèle européen hegelien. En 92, dans son livre « La fin de l'histoire », dans ce livre « La fin de l'histoire et le dernier homme », Fukuyama écrit en 1912 « L'homme nord-américain est le dernier homme ». Il est le porteur du stade final de la civilisation et auquel tout homme dans l'univers devrait avoir à aspirer. À l'inverse de ce qu'il écrivait en 1992, puis vint la crise mondiale de 2007-2008, vint la crise qui allait ébranler tout le système du néolibéralisme. Et à la suite de cela, le même Fukuyama
va réviser sa théorie à la suite donc de la crise financière 2007-2008. Et il va écrire en 2012, il va attendre quand même quelques années avant de reviser totalement sa théorie. Il va écrire en 2012 « Les échecs des démocraties modernes sont de toutes sortes, mais l'échec le plus courant en ce début du XXe siècle est la faiblesse de l'État. Si les institutions, mais le risque est grand de voir le gouvernement américain lui-même user d'expédients, pas comme les gouvernements des tiers-mondes, hein, mais le risque est grand de voir le gouvernement américain user d'expédients qui ne feront que retarder la crise ultime. Si les institutions ne parviennent pas à s'adapter, la société va devoir faire face à une crise ou s'effondrer et être contrainte d'adopter d'autres institutions. C'est aussi vrai pour un régime libéral que pour un régime autocratique. » Avec ce nouveau livre, il ne s'appelle plus « La fin de l'histoire », il va s'appeler paradoxalement « Le début de l'histoire ». Fukuyama démontre un retournement théorique total de sa pensée. Celui qui va remplacer Fukuyama comme théoricien du nouvel ordre mondial, ça sera Samuel Huntington, qui en 1996 va écrire « The Clash of Civilization », il va écrire « Le Clash des civilisations ». C'est en 1994-95, avant d'écrire cet ouvrage, il dit « J'ai dirigé un séminaire à Harvard sur la nature du monde après la guerre froide. » Parce qu'en attendant, avec la guerre froide, on a un monde occidental monopolaire. On a utilisé le cadre pour déstabiliser à travers les musulmans, pour déstabiliser l'URSS. Et à travers l'URSS, la déstabilisation de l'URSS, il y a une fragmentation du pont soviétique et la seule force dominante, effectivement, qui est demeurée, et la seule force porteuse de l'idéal de la démocratie, des droits de l'homme et de tout le cadre éthique qui était au fond des Nations Unies, au fondement de la Charte Atlantique qui allait donner les Nations Unies, c'est-à-dire les droits de l'homme, la liberté pour chacun, pour chaque pays, d'élire son gouvernement, la possibilité pour chaque pays d'avoir accès aux mers et d'avoir accès libre pour les matières premières, et aussi la liberté, le devoir pour chaque pays de gouverner, d'avoir une gouvernance démocratique et de créer une gouvernance démocratique. Bon, donc, nous étions donc. Oui, je vais chercher. Je vais chercher là. Nous étions donc. Comment ? Ouais. Bon, je vais conclure. Nous étions donc dans un système qui s'est développé, dans le système néolibéral qui s'est développé d'une façon très importante, avec une reconnaissance par tout le monde, notamment par exemple par Stiglitz qui a eu le prix Nobel d'économie de 2010. Il dit. C'est un monde, le monde américain, comme il a évolué avec le néolibéralisme reaganien, il a évolué de telle sorte que les riches, une minorité, les riches sont de plus en plus minoritaires, y compris aux États-Unis, sont de plus en plus minoritaires et de plus en plus riches. La classe moyenne, il y a une érosion de la classe moyenne. Il dit, il y a même un déficit moral qui a fait que la classe moyenne l'endette encore plus pour la rendre encore plus dépendante. Des systèmes financiers, et puis les pauvres, ils deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Voilà le fondement de la crise tel qu'il s'est passé aux États-Unis même. Et aux États-Unis, bien sûr, il y a eu le fameux travaux de Deaton, d'August Deaton et de sa femme avec lui. Ils ont étudié sur une dizaine d'années trois groupes de, parmi la population américaine, un groupe âgés de 44 ans à 50 ans, tous âgés de 44 ans à 50 ans, et ils allaient étudier la courbe de mortalité, l'évolution de la mortalité pour ces trois populations. Il y a un groupe avec les Américains WASP, White Anglo-Saxon Protestant, un groupe de Nord-Américains faisant partie des,
Les WASP, oui, les latino-américains et un groupe des afro-américains. Ils appartiennent tous à la classe moyenne. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé après 10 ans de travaux? Ils ont trouvé que jusqu'à 96, il y avait une diminution de 2% par an de la mortalité. À partir de 96, il y a eu une augmentation chaque année de la mortalité chez ces groupes étudiés. Il y avait une augmentation de la mortalité et puis de la pathologie, des troubles en santé mentale, et notamment avec la drogue, et avec l'alcoolisme, et avec une fragilité mentale. Et ils ont conclu qu'en fait, ces Américains de cette période-là vivaient une crise du désespoir, parce qu'ils ont pris conscience qu'à la différence de leurs parents, ils ne peuvent pas apporter à leurs enfants une plus-value de vie, de confort, celle qu'ils ont reçue eux-mêmes de leurs propres parents. Donc, c'est vraiment le désespoir. Leurs travaux ont été commencés à être publiés en 2015. August Dieton a eu le prix Nobel d'économie pour cela. Et il y a eu ce fameux livre qui a été publié chez Le Seuil en français en 2021, la Société du désespoir, je ne me rappelle pas, je crois que le titre c'était La Société du désespoir. La Société du désespoir. Voilà donc la crise au niveau même du cœur même de la société dominante. Qu'est-ce que ça pourrait être dans le reste du monde? Dans le reste du monde, on avait deux voies, on nous offrait deux voies possibles. Bien sûr, chez nous, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et l'érosion de la classe moyenne, n'en parlons pas, et l'apparition d'un petit groupe de riches de plus en plus riches, parce qu'ils sont là pour être au service aussi du lobby financier mondial. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau international, il y a une crise qui est beaucoup plus profonde, bien sûr, qu'aux États-Unis et que dans les pays européens. Où va-t-on? Le problème, c'est cette crise-là que nous avons parlé ces jours-ci, c'est que la démocratie, il n'y a pas de démocratie. Quelle démocratie a-t-il? Le fondement, parce que toute gouvernance, dit Ibn Khaldoun, depuis Ibn Khaldoun, toute gouvernance a besoin d'une trame, d'un fondement éthique. Pour Ibn Khaldoun, le fondement éthique, c'est l'adl. L'adl, c'est la justice dans le sens de justice sociale, qui est au fondement de tout projet civilisationnel. Et à partir du moment où la justice sociale commence à se détériorer, c'est à ce moment-là qu'il y a une nouvelle période, c'est l'annonce d'une nouvelle période historique pour Ibn Khaldoun. Donc, là, nous sommes à l'aube d'une nouvelle période historique. Alors, cette nouvelle période historique, c'est un tournant plutôt à deux voies. Pourquoi à deux voies? Parce qu'il y a une première voie qui se fait à notre dépens, malheureusement, qui se fera à notre dépens, malheureusement, et pour renforcer un petit peu le néolibéralisme. La première voie, c'est celle... Excusez-moi, je dois citer quand même ce truc-là. C'est celle... Nous avons voté, les Tunisiens, comme tous les pays du tiers-monde, nous avons voté une recommandation de l'OMC et de la Banque mondiale, mais surtout de l'OMC à partir de 1990, à savoir que nous adhérons à la nécessité de vendre nos terres agricoles. Je vous cite, c'est comment elle s'appelle? C'est Saskia Sassen qui nous parle de cela. Alors, Saskia Sassen. Oui, d'accord, je vais le dire. Alors, Saskia Sassen nous parle de cela. C'est-à-dire, là, en Tunisie, heureusement, il y a eu des forces parce que pour qu'il y ait application de cette recommandation de l'OMC, non seulement il fallait que la Tunisie signe cette recommandation et soit d'accord, mais il fallait aussi que les députés, tunisiens, confirme cette position. Et heureusement, en Tunisie, il n'y a pas eu confirmation, ce qui fait qu'à la différence d'autres pays africains, la Tunisie n'a pas vendu ses terres, n'a pas encore vendu ses terres, mais dans tous les pays africains, les terres sont vendues. Et lorsque ces terres sont vendues,
Elles sont vendues à des lobbies financiers. Elles sont vendues. Le gouvernement n'a aucun droit sur l'acheteur. Ils peuvent mettre, par exemple, en Tunisie, ou ailleurs, ou en Algérie, ou ailleurs, ils peuvent mettre un ingénieur agronome israélien, sioniste, et on n'a pas le droit de refuser. Le Tunisien, c'est tout juste, il pourrait peut-être avoir la chance d'être gardien, d'être maintenu comme gardien. Bon, bref, c'est pour dire un petit peu là où on est. Le premier tournant, c'est celui d'entrer dans un système de dépendance des lobbies financiers et des lobbies financiers avec une sorte d'exclusion de chez nous. Tout à fait comme le dit Saskia Sassen, une exclusion non seulement à l'intérieur de chaque pays, mais une exclusion par les lobbies internationaux, y compris sur le plan international même. Et je termine. Alors, quelle est la deuxième voie? La deuxième voie, c'est la voie, effectivement, que préconise Ibn Khaldoun, et qu'on trouve, curieusement, y compris chez Freud, quand il discute dans ce petit ouvrage, chez Freud, quand il décrit comment les masses, il y a des masses qui subissent la justice économique, disons, qui sont exploitées, et ils n'osent même pas se lever contre l'exploitant. Et ça, Ibn Khaldoun le dit, ils ne peuvent pas se soulever contre l'exploitant parce qu'ils voient en l'exploitant leur idéal. Il dit, le passage d'une période historique à une autre période historique n'aura lieu qu'à partir du moment où l'exploitant ou celui qui dirige, qui profite de la crise, finit par, comme disait tout à l'heure notre ami sur la reconnaissance, le problème de la reconnaissance, non seulement ne le connaît pas, n'induit pas de reconnaissance pour la victime, pour l'exploité, mais en plus, il le méprise. Et à partir du mépris, à partir de ce mépris de trop, il y a effectivement une révolte. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une réponse à partir de Frantz Fanon sur comment se fait le passage, entre cette révolte à partir du mépris de trop, à partir du mépris de trop de celui qui faisait l'objet d'une idéalisation, et à partir de cela, il y a cette à partir de là, qu'est-ce qu'il dit dans En 5 de la Révolution algérienne, Fanon décrit la chose suivante, il décrit comment le fils et le père sont sensibles à ce mépris. C'est ça. Le fils et le père sont tous les deux sensibles à ce mépris, mais le fils, quand il n'obéit pas au père, lui dit « faites attention parce qu'ils sont trop forts », et quand il va se révolter et quand il va prendre des armes contre son exploitant, sans s'apprécier le père, sans dire au père qu'il se trompe, il s'en va dans le Jbel, et le père va être obligé. Ce qui est intéressant, c'est que la relation père-fils reste une relation père-fils de respect. Il n'y a pas un mépris du père pour le fils, ni un mépris du fils pour le père, et c'est dans un second temps, une fois que le père commence à être dans le Jbel, une fois que il y a une une fois que il y a une que la répression une fois que la répression se poursuit recommence son plus fil, à ce moment-là le père voit qu'il n'a aucun choix autre choix que celui de rejoindre son fils et le processus révolutionnaire. Merci beaucoup. En fait, pour Ibn Khaldoun, c'est vrai que les facteurs de la réussite, c'est l'égalité, mais aussi c'est la science. L'adl ou l'ilm. Ibn Khaldoun, il appelle beaucoup à s'adonner à la science. Alors, nous avons maintenant écouté
Monsieur Roberto Benedetti, qui est le discutant, qu'est-ce qu'il va nous dire de ce qui a été. Mais d'abord, je dois dire encore toute ma gratitude pour les organisateurs qui nous ont invités. Et en vous écoutant, en écoutant Cédric Djedi, qui nommait Fanon, un souvenir m'est arrivé. Quand les frères de Fanon se rappellent de la discussion de la thèse de son frère, et les mots qu'il utilise sont à peu près les suivants. Je cite par cœur, feu d'artifice à l'intérieur, feu d'artifice à l'extérieur. Je pense qu'ici, on a vraiment eu des feux d'artifice, parce que pendant 3 jours, nous avons considéré des questions fondamentales qui sont au cœur, pas seulement des sciences sociales, mais de tout savoir, de tout homme, de toute femme. Et donc, nous avons effectivement repris la responsabilité des savants. Et le discours de Naomar hier le disait clair, le rappelait. Les universités, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Et si je mentionne les universités, c'est parce que vous savez combien aujourd'hui les universités sont devenues des territoires de conflits et de débats à partir de la question de Gaza et de la Palestine. C'est pour dire que nous ne devons pas avoir peur du conflit. Et si le conflit n'est pas présent, il faut être préoccupé, inquiet. Le fait que les jeunes se sont levés et qui parlent et qui veulent crier leur désir de justice, c'est un moment qui laisse un peu d'espoir, même si nous sommes confrontés avec des images de morts, de déshumains, des violences, d'humiliation de l'autre. Et lorsque Sartre allait introduire les damnés de la terre, il disait un mot fort que tout le monde ici se rappelle. Et ça suffit avec ce défilé de l'humanisme. Je pense qu'il faut penser à un autre type d'humanisme. Je me transforme, je me métamorphose dans un instant dans la pensée de Zacharie Arani, qui avait donné comme titre à son exposé, et il n'a pas pu présenter, quel humanisme pour aujourd'hui. Notre toute première responsabilité est de penser à un autre humanisme qui, tout en regardant à sa tradition, puisse se concevoir hors des lignées qui, jusqu'à présent, l'ont défini et souvent l'ont limité. L'ont limité à une partie de la Terre, à une partie du monde. Il faut penser que dans cet humanisme, il faut introduire la totalité des êtres vivants. Autrement, c'est un humanisme inutile, partiel, meurtrière. La responsabilité est énorme et aujourd'hui, comme les jours qui nous ont précédés, on touchait des concepts clés. C'était dommage qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir sur le mot reconnaissance, qui a été le concept qui a conclu les travaux de la matinée, parce que c'est un mot fondamental. Peut-être les Anglais et les philosophes de la science auraient dit laden theory, trop alourdi des théories. Et parfois, un mot ne suffit pas, parce que dans les mots de reconnaissance, il y a trop de choses qui peuvent même nous confondre. Mais ça, c'est un mot à partir duquel nous devons reconnaître la violence de la lutte pour être reconnu, mais aussi, comme l'a dit quelqu'un, le risque, lorsqu'on est seul individu, de transformer le désir d'être reconnu dans une pathologie. Il faut être vraiment attentif et capable de parcourir toutes les sentières des concepts et des mots. Je pense à une philosophe américaine qui dit que lorsqu'on veut être reconnu coûte que coûte, on risque de se transformer dans un objet pour être reconnu par un sujet. Donc il faut aussi réinventer une autre manière de la reconnaissance, une autre dimension de la reconnaissance qui doit être individuelle et politique et collective à la fois.
Et en écoutant Gilles Bibeau et en écoutant aussi les très émouvants discours de notre collègue voilà, regarde, de ce matin, un souvenir très partagé, sans doute aussi par Gilles Bibeau. Et lorsque Lévi-Strauss évoquait dans le livre Anthropologie structurelle Rimbaud, en disant que la poésie peut transformer le monde. C'est un passage important parce que Lévi-Strauss en parle lorsqu'il veut analyser le pouvoir de la cure, de la thérapie. Au fond, la thérapie n'est qu'une petite transformation du monde d'une personne. Je pense qu'il faut multiplier les forces de transformer le monde. Sans être poète, nous devons devenir, d'une manière ou de l'autre, un peu poète. Parce que sans cet effort, le monde nous transforme, ne se laissera jamais transformer. Donc, être capable, je le dis encore avec les mots d'une italienne que moi et Gilles aimons beaucoup, Ernesto De Martino, il faut penser à une ethos de la transcendance. Jamais s'arrêter face à la mort, au risque de ralentissement, il faut penser à une ethos de la transcendance. Et c'est pour cela que je vous suis vraiment reconnaissant, parce que ici, l'économie, la biologie, l'anthropologie, la clinique et tous les autres savoirs ont dit des mots forts pour penser ensemble à cette logique, à cet ethos d'une transcendance possible. Et quoi désirer d'autre ? Qu'il y aura une continuité. Et bien sûr, un autre petit désir, il y aura plus de jeunes la prochaine fois dans une conférence qui, pour avoir touché des thèmes si fondamentaux, ne peut pas éviter d'impliquer les nouvelles générations. Nous ne pouvons pas transmettre rien de notre savoir, rien de notre sagesse, si nous ne pensons pas à la question de la transmission. Et ça, c'est une autre question. Il y a une crise de transmission partout, dans les universités, dans les cultures populaires. Il faut penser aussi à comment revitaliser une transmission souvent fatiguée. Je ne veux dire trop et je ne veux pas dire d'autres mots inutiles, répéter les choses déjà dites si bien, mieux que comment je le pourrais dire, c'est superflu. Je remercie encore aussi tout le monde pour avoir participé jusqu'à ce moment-là. Très bien. Merci beaucoup, cher professeur. On va donner la parole à la salle. Hein? Peut-être très, très brièvement, je pense. Je ne sais, écoutez, je ne crois pas qu'il faille partager. On va continuer le dialogue, on va continuer à échanger, tout ça. Je crois que nous avons suffisamment bien travaillé. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, juste en partant. C'est ce fameux film « La haine ». Et ces trois jeunes qui parlent ensemble, et un raconte à ses deux copains, « Écoutez, voilà cet homme qui se jette d'un building de 50 étages et qui, en passant à chacun des étages, dit « Jusqu'ici, tout va bien. » Et la conclusion, ce n'est pas la chute qui importe, c'est l'atterrissage. Eh bien, avant que le monde se casse la gueule, essayons de le penser et éventuellement poser quelque chose, là, des fondations pour quelque chose de nouveau, qui fasse une place à ce nouvel humanisme, oui, humanisme de la reconnaissance et tout. Alors, je pense qu'on pourra conclure, Monsieur le Président. Oui. On va conclure. Je vais juste donner la parole à Cécile Dirk, je crois qu'il a besoin de lire quelques lignes. Oui, je pense. Je vous dis quand même que aujourd'hui, les acquisitions à grande échelle des terres à l'étranger sont rendues possibles par les objectifs explicites et les conséquences non planifiées des programmes de restauration mis en place dans le sud global, dans les années 80 par le FMI et la Banque mondiale. À cela s'ajoutent les exigences de l'Organisation mondiale du commerce dans les années 90 et les années 2000 pour lever les obstacles douaniers au nom du libre-échange. Et ça touche
tous les pays du Sud. Merci beaucoup. Je vais inviter Monsieur le Président pour prononcer le mot de la clôture. Que voulez-vous que dise un président après trois jours de débats extrêmement riches, de réflexions diverses venant de différents angles, de différents collègues venant d'un très grand nombre de pays? Je crois que la conclusion qui a été faite, c'est qu'il ne nous fait pas, il ne nous faut pas rester seuls. Le monde qui vient doit appartenir à la jeunesse. Je crois que c'est l'une des principales leçons que nous devons tirer. Deuxième conclusion, c'est que le thème que nous avons engagé est un thème absolument fondamental. Nous ne pouvons pas rester séparés les uns des autres, embourbés dans les problèmes sans en avoir une vision collective. Et cette construction collective exige que nous en discutions. C'est malheureusement l'un des premiers débats académique qui a lieu sur le monde dans lequel nous sommes et le monde vers lequel nous sommes en train d'aller. Donc, j'espère que cette rencontre est une rencontre parmi un ensemble d'autres qui devront être engagés ici, mais partout, partout. Là d'où les amis viennent, et je pense que nous devons garder présent la richesse des débats, les questions qui sont posées. En ce qui nous concerne ici, Beit al-Hikma, nous allons voir comment nous pouvons approfondir cette réflexion sur l'avenir du monde. Et j'espère aussi que les organisateurs qui sont là vont nous proposer des manières d'aller de l'avant. En ce qui nous concerne, nous, Beit al-Hikma, sachez que nous sommes très sensibles à toutes les communications qui ont été faites et que nous nous engageons avec vous pour réfléchir ensemble sur le monde qui vient. Merci encore infiniment. Les conférenciers sont invités à reprendre le texte de façon à donner une harmonie en fonction de... Les conférenciers sont invités à reprendre leur texte en fonction des discussions que nous avons eues, de façon à intégrer les discussions de la sorte qu'il y aura des textes harmonisés. Voilà. Ah, il y a un post-café.